À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Les faits et leur interprétation symbolique. Jésus naît, se prépare en silence pendant une trentaine d'années, puis part annoncer la bonne nouvelle. Au bout de 3 ans, à l'issue d'un simulacre de procès, il est condamné à être crucifié. Après que les soldats romains se soient assurés qu'il est bien mort, il est enterré. 3 jours après, il ressuscite, apparaît à ses disciples plusieurs fois, leur donne ses dernières instructions, puis monte au ciel. Ses disciples s'organisent et s'en vont répandre la bonne nouvelle. 20 ans plus tard, les communautés chrétiennes jugent souhaitable de mettre par écrit ce qu'il a dit et fait. Commence alors la rédaction des 3 évangiles dits synoptiques. L'évangile de Jean, lui, ne sera écrit qu'aux alentours de l'an 90. Ce rappel permet de comprendre que les évangiles sont déjà le fruit d'une tradition. 20 siècles plus tard, après que l'Église ait découvert de nombreuses pierres précieuses dans le jardin des évangiles, les dogmes qu'elle en a déduits ajouté à un langage qui n'a pas été réactualisé, opacifie tellement le message originel de Jésus qu'il ne parle pratiquement plus à la plupart des baptisés, ni aux autres d'ailleurs. Or, ce message est d'une telle richesse qu'il contient la solution du salut de l'humanité. Un des premiers pas à faire pour retrouver cette clé oubliée est de bien distinguer les faits des interprétations symboliques dont la tradition s'est enrichie. L'exemple suivant montrera toute la difficulté de la tâche. Jésus institue l'Eucharistie en prononçant sur le pain et le vin la bénédiction « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il meurt sur la croix et ressuscite. Selon la tradition de l'Église, Jésus institue l'Eucharistie la veille de la Pâque, dans la salle du Cénacle, juste avant sa passion. Par son sacrifice sur la croix, il réconcilie l'humanité avec Dieu. Il nous rachète du péché originel commis par nos premiers parents et de tous nos autres péchés. Pour l'Église catholique particulièrement, ce sacrifice de Jésus est réactualisé au cours de chaque messe. Lorsque le prêtre prononce les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » sur le pain et le vin, ceux-ci deviennent alors le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Le premier livre de l'ouvrage « À la recherche de l'essentiel »,« Oh my God, pourquoi ?», montre que cette bénédiction symbolique du pain et du vin était la façon de Jésus, lorsqu'il présidait un repas, d'affirmer avec une autorité rare que ce qu'il venait d'enseigner, cette foi pour laquelle il avait tout quitté, c'était sa vie. Ce qui n'était pas une parole en l'air, puisque tout au long de sa vie publique, les autorités religieuses en place ont cherché à le faire taire. Approcher les paroles et les gestes de Jésus en restant au plus près des évangiles présente ainsi l'intérêt concret de mieux se représenter ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans. D'autant qu'en ce temps-là, où le divin imprégnait le quotidien alors que de nos jours notre matérialisme l'en a pratiquement chassé, ce qui faisait image dans les esprits provenait d'un vécu différent du nôtre. De faire progresser dans la foi ceux d'entre nous, notamment, dont la nourriture quotidienne est déjà de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, ainsi que s'exprimait cet être exceptionnel qui s'appelait Jésus. Et de toujours avoir en mémoire le second commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce prochain, commentera Jean dans l'une de ses lettres, que l'on voit
et peut donc aimer plus facilement que Dieu, que l'on ne voit pas. Puisse ce type de lecture donner envie de lire les évangiles à tous les hommes et femmes de bonne volonté, à commencer par tous les baptisés pour qui le christianisme relève plutôt du folklore, puisqu'ils n'en font pas leur règle de vie. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.